Bonsoir Paris. Toi t'es mort. Et bien à tous pour la suite, j'espère que vous êtes toujours très très bien. Les rouges, on les élimine. Oui, moi Arnaud, c'est bien. Allez, on va retourner tout de suite. Mesdames, messieurs, au conseil, 8 événements sur 10. Vous remarquez que j'ai joué un tout petit peu de mon côté, j'ai joué quoi un petit quart d'heure. Franchement, c'est cool et ça permet de gagner un peu de sous-sous. Ce qui est assez important tout de même pour améliorer les équipements parce que j'ai vu des épées, des armes qui étaient vraiment hyper chères. On est très très loin de pouvoir se les offrir pour le moment. En tout cas, j'ai refait le plein au niveau des munitions, au niveau des bombes fumigènes, etc. Donc faut aller chez le marchand. Je commence à m'habituer un petit peu au jeu, mais il me reste encore beaucoup à apprendre, bien sûr. Nous sommes pour l'instant un apprenti assassin. Allez, on continue. En tout cas, merci à tous encore pour tous les retours. D'ailleurs, le premier épisode tout de même a fait top 12 des tendances générales sur YouTube. C'est un truc de dingue. Vraiment, je tiens à vous remercier. Je m'attendais pas à ça du tout. C'est un vrai plaisir. Ah, c'est toujours un petit bonus très sympa. Aujourd'hui, les paroissiens ont trouvé un corps à Notre-Dame. Les plaisantins l'appellent déjà le pénitent. J'en conclus que justice a été rendue. Pas encore. Siver avait un complice la nuit où Monsieur de la Serre a été assassiné. C'est lui qui a porté le coup fatal. Cela soulève des questions troublantes. Qu'as-tu appris? Il a agi avec un homme appelé le roi des thunes. Le roi des mendiants? En es-tu sûr? Vous le connaissez? De nom. Les mendiants lui versent tribut. Mais cet homme est un fantôme. Nous avons envoyé 3 assassins à ses trousses. Les 2 premiers n'ont rien trouvé. Le 3e n'est jamais revenu. Je peux le trouver. Siver a parlé à l'un de ses lieutenants. Je dois à la mémoire de Monsieur de la Serre de découvrir la vérité. Peut-être en es-tu capable. Tu as fait tes preuves en tant qu'assassin aujourd'hui. Et un assassin doit être muni des bons outils. Donc, si je comprends bien, la lame secrète et les bombes fumigènes, c'était juste un avant-goût, c'est ça? La lame fantôme. Une modeste amélioration de la lame traditionnelle des assassins. Là où tu dois aller, tu devras rester à distance de tes ennemis. Très bien. Assassin, ce conseil t'ordonne de te rendre à la cour des miracles. Trouve le Templier qu'on nomme le roi des thunes. Découvre ses secrets. Et apporte-lui la paix. Mission acceptée. Le roi des thunes. La lame fantôme donc. Appuyez sur la flèche de gauche pour sélectionner la lame fantôme. Lorsque vous en êtes équipé, appuyez sur LB pour un tir rapide. Maintenez LB pour viser, appuyez sur RT pour tirer, donc c'est pareil que le flingue. Les lames Fury amènent les ennemis à s'attaquer mutuellement. Mais non, vous pourrez acheter une nouvelle lame dans les boutiques. Très très bien. Eh bien écoute, on va aller voir si on peut. D'ailleurs, je voulais améliorer quelque chose. Normalement, on a assez de points, les amis. Au niveau des compétences, j'avais vu, c'était dans... Alors, dans santé, on avait déjà amélioré, on avait peau de sanglier. Ça fait quoi déjà, ça? Résistance légèrement accrue aux dégâts subis au combat, d'accord. Discrétion, je voulais prendre... Ah oui, le double assassinat. Ça va être incroyable. Ça coûte 4 points, allez, je prends tout de suite. Parce que ça, je le veux depuis le début. Et autre chose qui serait bien de prendre, c'est le fait de crocheter les serrures. Des coffres et des portes, hein, parce que pour l'instant, mine de rien, c'est impossible, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et il me manque un petit point, donc dès que je débloque un autre petit point de compétence, et bah écoutez, je le prendrai immédiatement. Alors attends, c'est par où que je sors, moi? Alors, nous sommes là, et on doit aller dans ce quartier. Alors pour info, oui, j'ai pas pu beaucoup y jouer au jeu pour l'instant, j'espère avoir le temps dans les prochains jours, histoire de synchroniser les différents points de vue. Au pire, ce qu'on fera, c'est qu'on ira peut-être de synchro ensemble aujourd'hui. Et au fur et à mesure qu'on explore les quartiers, on verra. Mais je pense quand même que j'en ferai beaucoup de mon côté, hein, parce que ça risque d'être un peu long. Le royaume des mendiants. Quelque part dans la cour des miracles, un agent et templier sait où trouver le roi des thunes. Débusquer cet agent. Eh ben, c'est parti, j'ai un sacré trajet à faire. On prend le bateau? Je pense que c'est impossible. Contrairement à Assez Origins. Ou Assez Odyssée. Ou Assez Valhalla. Regardez-moi ça, nous sommes dans le quartier Porte Saint-Denis. On va synchroniser, et après, on passera à la mission qui est juste derrière. Toujours un moment de symbiose. Est-ce qu'il y a un danger? Non. On va juste avancer sans problème. Le royaume des mendiants, c'est parti! Je n'aime pas ce quartier. La cour des miracles, 19 janvier 1791.
Il fait sombre. Un temps de chien. Eh bien, allons explorer la cour des miracles. Je suppose que c'est la zone verte, de façon. J'explore, et alors? Oh, les coquins. Faites comme chez vous, surtout. Oula, ils sont en train de voler, eux. Tout est bon dans le cochon. Jusqu'à la cure en terre-bouchon. Ouais, c'est ma première à la cour des miracles. Je vais essayer de faire le tour. Alors, je sais pas si on doit utiliser la vision d'aigle, si on doit trouver quelque chose. Tiens, il y a quelque chose peut-être d'intéressant là-bas. Regarde, il y a une cible. Avec deux soldats. Mais sûrement qu'il faut y aller en douceur, les gars, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le voilà. Le lieutenant du roi des Thunes. La touche. Oh, je ne m'y risquerai pas. Regarde. Oh, splendide, non? Le bon peuple de Paris donne plus d'argent aux mendiants estropiés qu'à ceux encore intacts. Le roi des Thunes trouve dans cette opportunité le moyen nécessaire à stimuler ses employés les moins prospères. Cet homme a déjà perdu son pied. Certes, tu peux charger dans le tas et causer un joli tumulte qui renverra tous ces rats dans leur trou. Ou tu peux te mêler à la meute et suivre les rats doucement jusqu'à leur souverain. Quoi que tu fasses, cet homme ne reverra pas son pied. C'est fait. Escortez-le à l'infirmerie pour cautériser la plaie, puis renvoyez-le dans la rue. Allez, toi, debout. Merci, j'apprécie le conseil. Pas encore. Qui êtes-vous, au juste? Et pourquoi m'aidez-vous? Cela fait quelque temps que je t'ai à l'œil, Arnaud. Je considère qu'il est de mon devoir d'aider ceux qui ont connu, tout comme moi, l'emprise cruelle de la Bastille. Et j'ai un intérêt bien personnel à voir le roi des rats, enfin, pris au piège. Quant à mon nom, j'ai le grand privilège d'être Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Viens me rendre visite quand tu te seras lassé de chasser la vermine. Oh, quelle belle trace il laisse. Bonne chance. Ça doit piquer un peu. Je n'ai pas tellement envie d'en faire l'expérience. Je tiens mes jambes. Même si, pour faire mon boulot, bon, les bras suffisent. Alors, filez la touche. Meurtre à la lame fantôme. Ok, faut en faire deux. Super. Alors, voyons voir. Ah, ça montre... de là où je viens. Ok. Du coup... Ah ouais, c'est marrant, ça. Faut que j'en fasse deux. À la limite, peu importe sur qui. Tu vois, on va essayer. La lame fantôme. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Et d'un. Et deux. Ok, c'est bon. par contre, tu vas t'équiper, quand même. Le contre. J'adore. Oh, toi, ne me tire pas dessus. Bon, les combats sont géniaux, quand même. C'est lent, mais pas trop. Comme ça, ça permet de bien voir les animations, je trouve. Chacun son tour. Oh là là. Bon, la caméra parfois qui part un peu en couille, mais... Mais ça peut aller. C'est bon? Tu as ton compte? Non, pas tout à fait. Ok. Donc la touche. Tu es où la touche? Je l'ai trouvée. Oula. Ça va les gars? Tranquille? Bon, je fais attention parce qu'il y a un mec qui veut me tirer dessus ici. Je me suis fait un peu remarquer avant. Je vous montre pas tout, bien sûr. J'espère qu'il ne me poursuit pas, d'ailleurs. Non, ça a l'air d'aller. C'est pas simple, hein, vraiment, de se refaire un peu aux anciens AC. C'est vrai que la formule a vachement changé. Je dirais que les nouvelles, avec la nouvelle formule, c'est plus facile. Ah, il y a un voleur. C'est pas le moment, les gars. Plaquer le voleur, non, non. Un jour viendra
Non. Ah bah non. Pas bien. Tu l'as. Voilà. Bonne chose de faite. C'est bon, je suis pas repéré. Ça a l'air d'aller, mais il est en train de se barrer. Ouais, faut que je contourne là. Faut que je contourne, mais je passe par où? Parce qu'il y a l'autre là qui va me repérer. C'est pas évident, mine de rien. Ouais, tu sais quoi, on tente, allez. Pourquoi le point vert est là? Oui. Ah, il est encore là. Ok. Mais c'est tellement chaud de pas se faire choper. Oh, il y a une cache. Parfait. Viens là, petit. J'aurais pu tuer? Non. Oh la vache, il est encerclé. C'est tendu, hein. Mais là, ça peut le faire. J'ai pas encore fait de doublette. Attention. C'est vrai ce qu'il a fait à Thierry? Ah, je me souviens de ces hurlements. Ils en finissaient plus. Tout ça parce qu'il s'était trompé dans les comptes. C'est vrai? Je pensais qu'il avait volé dans les caisses. Non, il a oublié un dans le registre. Je vois. Mieux vaut ne pas traîner alors. Non, par contre, tu vois, j'ai un peu peur qu'il revienne par ici. Non, c'est bon. Il s'en va, il monte. Il y avait un mec par là? Non. Je vais essayer de passer par ici, voir si je peux trouver un passage. Ouais, il y a un mec en rouge là qui risque de m'embêter. Mais comment c'est dur? Allez, retourne-toi. Nickel. On tient le bon bout. Restons concentrés. Faites-le entrer, vite! Je sens que quelque chose ne va pas. Il est mort, monsieur. Alors jetez-le dans le caniveau et suivez-moi à l'intérieur. Effectivement, je peux te l'assurer, quelque chose ne va pas. Hey, non! Putain, je me suis fait repérer direct, quoi. T'as vu comment c'est chaud? Sans déconner. Attends, lui il m'a pas entendu encore. Maintenant. Ok. Ça c'est fait. Calmez-vous les gars. Je ne vous veux aucun mal. Admettons que je passe par ici. Ouais, c'est une bonne entrée. Ah. Il m'a repéré, j'ai l'impression. Alors. Ouais, il y a un mec là. Logiquement, je suis censé pouvoir le tuer comme ceci avec ma lame. Oh, stylé. Super. Non. Reste en haut, par contre, hein. Il y en a un ici également. Ah, ils sont deux? Ouais, là, ils sont deux, mais ils sont trop éloignés pour faire une double. Wouah, mais regardez, c'est chargé d'ennemis de partout. Et je le vois, hein. Je vois la touche. Ça va être tant d'axes. Mais tellement... Oh là 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 là. Ok, j'en ai un par là. Non. C'est un enfer, les gars. Ok. Faut recharger. Ça, c'est fait. Faut que je descende. Tu descends. Est-ce que tu peux passer par la fenêtre? Non, j'ai pas l'impression. Ouais, bah attendez, il y a tout le monde là-dedans. Oh là là. Elle remonte, finalement. Je me sens pas bien. Ouais, faudrait que je puisse rentrer. Apparemment, leur pétard. Tiens, on va essayer d'utiliser les pétards après. Ouais, mais la fumée, ça marche aussi. Eh ben non. C'est pas un leurre, je crois pas. Dis-moi que t'as rien entendu. Tel un véritable assassin. Maléfique. Ok, un de moins. Je vais pacifier la zone. Si possible. Même si je suppose qu'il y a un moyen beaucoup plus rapide, hein, de faire ça. Ok, là ça me paraît pas mal. Allez hop. Ah, j'ai une entrée. J'aurai une entrée ici. Vite, rentre.
T'es mort. Un incendie. Tu sais à quel point je peine à les imiter sans faire brûler la moitié du quartier. Qu'est-ce que cette chose? Objet à collecter. Ok, ici je peux descendre. Mais quel enfer, sans déconner! Des ennemis partout, j'avais oublié à quel point c'était dur. Bah du coup il est pas loin. Hein. Ok. On va aller rendre une petite visite. Dis-moi où est le roi des thunes, et je te laisserai la vie. Les catacombes! Il est dans les catacombes sous la vieille église! La touche. Je m'attendais à ce que tu sois un peu plus coriace. Que penserait ton maître? Mon Dieu! Mon Dieu, dis-moi! Que tu es laid, la touche. Oui, je sais, je juge sur le physique. Bon, je suis pas le plus beau non plus, c'est vrai. Alors. Mais au moins j'ai un peu de charisme. Donc, attention. Ouh! Allez, le plaisir. Bon, allez, c'est bon maintenant qu'on a fini ça, de toute façon. Ah oui, pardon, les leurres, les pétards. Je vais les lancer. Tiens, si je peux réussir le petit défi. Alors, attends, peut-être qu'en fait, il faut envoyer ça, genre là-bas. Ah, mais voilà, bah oui. Faut attirer les mecs ailleurs. Ah, c'est bon? D'accord, l'objectif a été validé. Genre tu l'envoies ici, et après tu peux l'assassiner. Eh ouais mon gars. Alors on m'a dit aussi que par rapport aux assassinats discrets ou un truc comme ça, on m'a dit qu'il fallait les faire depuis une couverture. Par exemple, c'était vraiment, les termes étaient employés, c'était assez précis. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à y aller un petit peu bourrin, hein, forcément. Même si, bon, je suis au courant hein, que c'est un jeu Assassin's Creed, donc du coup faut essayer d'y aller un peu, de manière un peu technique. Toujours plus sympa, c'est comme ça qu'on joue un AC, hein. C'est pas comme, comme un Gears of War, si tu veux, si tu vois ce que je veux dire. Ok, alors est-ce que je peux? Non, faut fuir. Bon, j'irai au magasin après. Hein. J'irai à la boutique plus tard. Et là maintenant, c'est bon. Mémoire terminée, le royaume des mendiants. Impeccable. Et on a réussi pas mal les défis, ça c'est bien. Eh ben écoute, on va enchaîner, faut aller là-haut. Allez, c'est pas le point de synchro? Non, c'est pas le point de synchro que j'ai fait juste avant, je crois que c'est encore un autre bâtiment. Ouais, ça se trouve c'est lui. Oui, c'est lui, il me semble. Si, si. C'est le point de synchro. Ah bah, c'est un peu con alors que je l'ai fait avant. On aurait pu le faire obligatoirement, tu vois, en commençant la mission. Le jeu est intelligent, au final. Eh bien, allez, le roi est mort. Difficulté 3 losanges. Aïe, aïe, aïe. Là, par contre, j'ai peur. Le roi des thunes se trouve dans les égouts, sous la cour des miracles. Trouvez-le et tuez-le. Pistolet d'officier en récompense. C'est parti. Je sens qu'on va en chier des ronds de chapeau. Allez, vous autres! Ah d'accord, on peut passer par la bouche d'égout. C'est comme le premier assassinat avec Sivert. Assassiner le roi des thunes. Ça c'est vraiment cool hein. Une entrée, 5 cachettes, 54 gardes! C'est une blague. Explorer le secteur, créer des opportunités. Oui, bah c'est ce qu'on va faire, on va pas y aller tête baissée. Ah oui, c'est bien montré là. D'accord. Puis-je sauter? Attends, je peux sauter et le tuer direct? C'est quoi ce délire? La vache. Pardon les gars. Pardon. T'as vu ses réflexes un peu? Incroyable. Wouh. Bah alors, on est lent les gars? Ah, j'ai oublié de le dire. Bon, je voulais pas y aller comme ça, mais enfin. Faire 3 assassinats aériens apparemment. Ok, t'inquiète, ce sera fait. Non mais les combats sont easy en vrai. Hein. Du moment où tu restes bien réveillé que t'as les réflexes. Alors, opportunité, ici. Saboter les cheminées. Opportunité de diversion.
Bon, on verra après, du coup. Saboter ici. Laissez-moi partir. Alors. Voilà. Les cheminées, ça fait 1 sur 2. Voilà. On a un truc aussi un peu plus loin. Ici, par contre, je comprends pas tellement. Fallait peut-être... ouais, voir avec les gars. Il me reste 2 assassinats aériens à faire, donc je vais retourner, bien sûr, sur les toits en hauteur. Au niveau de la vie, tiens, je m'en récupère un petit peu. J'ai encore 3 remèdes, y a pas de soucis. Ah bah oui, bah ça va être rapide pour les assassinats aériens, nickel. Bien sûr. J'ai 5 mecs à tuer. Eh les gars. Attends, tu sais quoi, je traverse de l'autre côté par contre. J'ai les gâchettes aussi à proximité, tu vois, c'est pratique. Impeccable. Ils vont mourir si personne ne les aide. J'arrive les gars. On tu sautes. Voilà. Je vous protège. Je suis le protecteur. Suivant. Allez. C'est bien, on coopère. Non, ne le touche pas. Bien joué. C'est bon les morts. Aide des mendiants disponibles, donc ça c'est fait. Impec bien. Fouiller. Ah c'est vrai que je pense pas aller fouiller. Il me reste encore une cheminée aussi. Il y aura un passage souterrain là. Yes. Je suppose que c'est ici. Tranquille, tranquille. Je me planque. Mais non mais... Mais t'es con ou quoi? Oh mais c'est dingue, j'arrive pas à être discret. Alors que c'est un peu le principe quand même. C'est terrible. Tu le termines s'il te plaît? Ouais, petite cabriole, j'aime bien. Attends, il est pas mort. Voilà. La flemme de les fouiller. Je sais pas si ça rapporte beaucoup. Eh ben écoute, je pense qu'on arrive. Les cheminées, j'ai pas compris, j'ai pas trouvé la deuxième. J'ai trouvé la deuxième cheminée. Allez, toi t'y passes. Voilà, on n'en parle pas. Et je sabote la deuxième. Et il me restera à refaire du coup un assassinat. Parce que forcément, quand tu recommences ta mission, tu dois refaire les objectifs. Et voilà, mission accomplie. Ça devrait les faire sortir de leur trou. Bien sûr. Me faire un petit double crime là, si on peut. Y a moyen ou pas? Oh oui! Incroyable! Oh, c'est incroyable! Eh, hey, tchuss! Oh merde, je suis repéré. Attends, d'abord je règle mes comptes à l'extérieur. Oh, c'est dommage, on fait un super truc et après voilà. Eh, forcément. Oh, c'est énervant. Allez, ça c'est bien moi. T'arrives à faire un truc stylé, et puis derrière, du caca. Voilà, bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Hein. Quoi qu'il arrive, les gars, je me sens bien. J'ai des petits pétards pour vous. Voilà, pour mettre un peu d'ambiance. Truc qui sert à rien. On peut que dévier, ouais, parce que tu vois, on a une petite couleur rouge. La couleur jaune, ça veut dire qu'on peut contrer parfaitement. Vas-y, mon grand. Wouh! Magnifique. Et voilà, c'est fini pour vous. Hein. Vous êtes pitoyable. Ah, tu es encore en vie, toi. Bon, c'est bien tout ça, mais j'ai pas réussi mon crime à rien. Dis-moi qu'il a rien entendu. Non, je suis discret comme un chat. Vas-y. Hop là. Et voilà, le petit dernier. Nickel. Ça, c'est fait. Maintenant, on peut y aller. On a assez tourné autour du pot. Ah, il y avait un événement un peu plus loin. Mais les gars, on va essayer de bien la jouer cette fois-ci. On a fait les choses dans les règles. Waouh, ils sont nombreux quand même. Ils sont nombreux, donc on va reprendre avec... Attends. À la limite, c'était pas con de les... d'utiliser la lame furie. Comme ça, ils se battent entre eux. C'était pas si mal. Il arrive, lui. Allez, retourne-toi, cow-boy. C'est bien. Vas-y. Oh bah, j'arrive pas à être discret, les gars. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire, j'y arrive pas. C'est fou. Chaque fois, je me fais avoir. Je pense que c'est bien, mais non, en fait, c'est nul ce que je fais. Bon, y'a encore des progrès, hein. J'ai pas à faire, moi je te le dis. On y arrivera un jour. Mais pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui. Ok, c'est par contre, on esquive. Voilà, le petit tir à la lame comme ça. Joli. Bon, ça reste stylé, hein. Je peux pas l'ouvrir ce coffre parce que je n'ai pas le crochetage. Que s'est-il passé? Les mendiants, ils se soulèvent dans tout le quartier. Donc, venez avec moi. Allez. Trouver le repère, mission accomplie.
Et maintenant, faut trouver le roi des thunes, le roi des mendiants, le roi des rats. Alors pareil, vision d'aigle. Y'a personne. On va pouvoir aller un peu plus vite. J'ai envie d'action aussi, faut dire. Alors tu vois le radar en bas à gauche, en effet, on voit bien les passages. On ne risque pas de se perdre. En théorie, il n'y a pas 50 000. Mais attention, quand on arrive... Voilà. Comment on va s'y prendre? On pourrait détourner éventuellement l'intention. L'attention et pas l'intention. Georges, on voit ça. Là-bas. Oh, ça a ricoché. Un petit leurre. Ok, on va voir là-bas si j'y suis. Ah, comment je tue lui? Attends, je suis comme un con là. Voilà. Et lui? Oh non, fallait recharger. Oh, ça aurait pu être nickel. Ça aurait pu être nickel si j'avais rechargé ma lame. Qu'il est con. On va repasser sur par contre les la bombe fumée hein. Ok, bon ça va, c'était pas non plus catastrophique. On va essayer de surélever un peu le niveau. Tu es seul? Non, tu n'es pas seul. Voilà. Juste en appuyant sur LB, ça marche pas? Ah voilà, ça marche. Il me semblait, on peut tirer vite. Par contre j'ai plus de lame là, ça y est. Zéro, faudra refaire le plein. Donc je passe sur la lame à feu qui est bien plus bruyante par contre. Forcément. Doucement. Doucement, doucement. Ils sont trois, non? Ouais, ils sont trois. Ah, mais à l'arme à feu, ça va être un peu plus compliqué. Forcément, ils vont m'entendre. Comment ça va, les mecs? Oh, vous êtes proches, tous les deux. Trop cool. Allez. J'ai bien fait de prendre la double, hein. Je suis très content. Je suis très 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 content. Ensuite, faut passer par où? Là, c'est fermé, il y a les barreaux. Est-ce qu'on peut casser ce truc en bois? Non, est-ce qu'il faut passer... Bien sûr qu'il faut passer par là-haut. Bien réussi cette Votre séquence. Grâce, votre grâce! Votre grâce! J'ai appris de sources sûres qu'un assassin rôdait et que qu'il comptait s'en prendre à vous. Voilà qu'il se fait plus coriace. De ver, il devient serpent. Diantre, je savais que ce n'était qu'une question de temps, mais cela est bien trop tôt. Oh, oui, votre grâce. Les assassins sont bien renseignés. Mais c'est nous qui avons l'avantage, n'est-ce pas? Rassemble la garde et donne la chasse à cet assassin. Rapporte-moi sa tête. Je te souhaite bonne chance. Mais, votre grâce. Votre grâce. Eh bien écoutez, on l'a trouvé, on sait où il est. Maintenant, on va chercher, bien sûr, à l'assassiner. Attends, c'est pas de là que je viens? Bah non. Oulala, il y a encore du monde là. Il y a encore du monde. Ils sont nombreux, on va essayer de pas y aller. Hein. De les éviter le plus possible. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont montré sur le radar. Attends, par contre, ils vont me voir? Non? Ah non. Nickel. Ça me va. Donc là, en théorie, les soldats sont en dessous. Comment on peut faire? On peut balancer une fumée, éventuellement. Essayer de sauter là. Allez. Mais ils vont m'entendre, hein, je crois. Et ben là, forcément. Oh, quelle tristesse. Attends, je me fais l'autre. Mène-toi! Ouh! Je me suis pris un petit coup là. Pour ne pas dire un gros coup. Non, tu ne me verras jamais. Tin-tin-tin-tin-tin. Calme-toi. Non, non, essayons de rester discret. Le problème c'est qu'il va me regarder lui. Bah, mec. D'accord. Il est là-bas. C'est prévu comme ça. J'ai honte pour lui. Quelle fripouille. Meurtre à la lame fantôme. Oh non, j'en ai plus. Oh, c'est triste. Bah écoute, on pourra pas réussir ça. Hormis s'il y a un marchand ou si on récupère
des lames, et ça m'étonnerait qu'ils nous en offrent sur le chemin, quoi. C'est énervant. Nous y sommes. Ça y est, nous rentrons dans la salle ronde. Tenez vos positions. Alors comment on va s'y prendre? Il est au centre de la pièce. Ok, il y a une sorte de sniper, j'ai l'impression, là-haut. Ah mais non, c'est lui. Putain, je suis con. Attends, est-ce qu'on peut le tuer, lui, le surprendre? Je pense. Coucou. Toi, t'es mort. Je tue les subalternes et après, je m'occupe du boss. Ok, les gars? Très bien. Essaye de te planquer. Tu repasses en dessous. Étape par étape, hein. On revient par ici. On va prendre de la hauteur, je vois pas les autres. Ouais. On va essayer de passer par là. Attends, c'était qui là? Il y a une cachette. Il est tout là-haut. Il y a un mec ici aussi. Ouh là là. Ok les gars. Ouais, tranquillement on avance. On élimine toute la garde rapprochée. Cette icône, c'est une sorte de sniper, non? Je pense. Est-ce qu'on peut ressortir? Tiens, dis-moi, non. Pas du tout. D'accord. Je vais peut-être aller un peu loin là. Si je passe au milieu, je suis cuit. Ouais, je pense que je suis cuit, je passe au milieu. Ah, mais il y a une échelle! D'accord, nickel. Alors, je connais pas, hein. Je rappelle, je découvre entièrement, c'est pour ça que je suis un peu... Hein, je passe un peu pour un débutant, c'est parce que je le suis! Ok. Non, 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 non. Vite, assassine-le. Voilà. Zut, il me voit. Bouge. Attention. J'espère que tu... Alors, je suis repéré, mais apparemment, il n'y a plus personne. Quel trophée vais-je pouvoir prendre sur toi? Ah merde, c'est bloqué, là. Oh non! Ah, je suis dégoûté, il me faut le crochetage. Attends, est-ce que je peux choper? Ah oui, j'ai 3 points. Trop bien. Allez. C'est pas porté, c'est quoi, c'est discrétion? Eh bah oui, ça coûte 2, nickel. Eh bah, pile poil. Apprenti serrurier. Ah oui, parce que là... On passe par là, on va y aller, mais le problème c'est que nous allons serais-tu moins malin que tu goûter à son penses fusil. Alors comment ça marche par contre? Ah d'accord, faut juste appuyer sur A dans la zone bleue. C'est bon ça? Dépasser la goupille, appuyer sur A, d'accord, quand la barre se trouve dans la zone. Doucement, hein. Se rapproche de lui. La liberté ou la mort. Eh ben on y est. Ravi de te voir. T'es mort. Et voilà! Propre. Mes sujets ont les yeux partout, monseigneur. Tout ce qu'ils voient, je le mets au service de l'ordre. Et que pourrait nous apprendre un roi des égouts? Les intrigues des rats? Tu peux disposer. Les intrigues des rats? Idiot prétentieux, si jamais je mets la main sur lui. Mon maître serait ravi d'arranger ça. Mon frère. Tout va bien, monsieur? Vous avez abusé du champagne? Sifer, il faut partir! C'est fait. De la serre est mort. Grand maître. Bien. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai bien fait de te tuer. Mais qui est le grand maître? On le saura bientôt. Est-ce que je peux redescendre sans mourir? Oui, par là. Tranquillement, on a fait un peu le ménage, donc on devrait pas avoir trop de problèmes. Salut! Eh bien, allez. Fuyons, mesdames, messieurs. Un nouvel assassinat réussi. C'était plus sympa que pour Sivert. C'est vrai que Sivert, j'étais un peu déçu parce qu'on n'a pas eu un finish incroyable. Ça a été bien le bordel. Salut les gars! Allez, avec plaisir! Oh, mais je pensais qu'avec la fumée, peut-être qu'il m'aurait pas vu. Penses-tu? Allez, nickel. On aurait pu rester en hauteur, par contre. Non, non. Bah, je pense que c'est bien par là qu'il faut partir. Allez, fuyons de ces égouts. Et par contre, je remarque qu'en effet... Ah, regarde, il voit pas grand-chose. Nickel.
Je remarque qu'en effet, la difficulté est pas si élevée que ça. Tu vois, on aurait pu penser que... Parce que le jeu nous avait dit 2-3 losanges, il me semble, pour la mission. Que ça aurait été vraiment compliqué. Bah, pas du tout. Là, on est à un seul losange, on est en soldat maintenant, tiens. Ou alors, peut-être que j'ai pas compris le système de difficulté, mais... Pourtant, ça a pas l'air bien complexe. Faut pas souper. Faudra aussi que je pense à changer de tenue pour le prochain épisode. Je pense que ça vous ferait plaisir, non? Tu arrives à temps pour l'avènement de mon règne. Votre règne? Tant qu'il existera une cour des miracles, il doit y avoir un roi des thunes. Puisque la place semblait vacante, je l'ai prise. Vous n'avez pas perdu de temps, son corps est encore chaud. Peut-être ai-je légèrement anticipé sa destitution. Disons, dès que tu es apparu à la cour des miracles. Vous vous êtes servi de moi. Ta cible est morte? Nous nous sommes servis l'un de l'autre. Vous avez hérité d'un étrange royaume. Eh oui, n'est-ce pas? Alors, justice a-t-elle été rendue? Les morts sont vengés? Ton âme apaisée? Le bien a triomphé? J'en suis encore loin, Marquis. Chaque fois que je crois toucher la vérité du doigt, une nouvelle couche de mensonges me barre la route. Oh, une conspiration, une intrigue, un complot qui s'épaissit à vue d'œil. Il ne manque qu'un brin de bestialité et un prélat lubrique pour tenir le début d'un magnifique roman. Je préférerais une piste solide. Si jeune. Et déjà si sérieux. Eh bien, bonne chance à toi. J'imagine que tu as jeté un œil à ceci. Où avez-vous trouvé ça? L'un de mes fidèles sujets me l'a apporté. Un certain gage d'estime, s'il en est. Oh, un objet étrange. À ma connaissance, une seule personne sait travailler le métal de cette façon. C'est une lame comme celle-ci qui a tué Monsieur de la Serre. Mais j'imagine que cela, vous le saviez déjà. Pourquoi n'avoir rien dit? Où en serait l'homme s'il n'avait jamais dû se poser de questions? Si tout ce qu'il avait toujours voulu savoir lui avait été remis sur un plateau d'argent? Aurait-il oublié qu'il pouvait s'interroger? Où se serait-il débarrassé de son ignorance pour surpasser ses piètres limites? Peut-être, oui. Cet artisan s'appelle François Thomas Germain. Tu trouveras son échoppe près des Halles. Merci. Bonne chance! Quel honteux personnage. Mémoire terminée. Meurtre à l'âme fantôme, et oui, dommage. On a tout réussi, sauf que là, en effet, on n'avait plus de munitions. Et on a gagné 3 points de compétences. Enfin, 3 points, tu sais, pour les compétences. Mais c'est marrant, moi, j'ai toujours qu'un seul losange en haut à gauche. C'est terrible. Nouvelle trouvaille débloquée pour examiner votre collection. Rendez-vous à l'ancien repère des assassins, ok, très bien. Nouvelle mission, explorer le café-théâtre, donc c'est proche du conseil. Difficulté, un losange. Arnaud s'est vu confier la gérance du café-théâtre, qui a abrité autrefois le service des renseignements des assassins. Explorer les lieux et découvrir comment les aménager. Eh bien, voyons voir, on est juste devant. Et d'ailleurs ici, tu vois, on a un carrosse pour repartir vers Versailles. Si on vit. Allons-y. Le café-théâtre. Je peux faire quelque chose pour vous? Quel est cet endroit? Il est relié au sanctuaire. C'est moins prestigieux que l'entrée de la Sainte-Chapelle, mais l'immeuble nous appartient. Il faisait partie de notre réseau d'information. Je dois dire qu'il a connu des jours meilleurs. Comment puis-je aider? Je resterai à l'affût des occasions qui se présenteront. Vous pouvez aussi vous adresser au régisseur, afin de restaurer le bâtiment. C'est que je suis loin d'être riche en ce moment.
L'argent que rapportera le café vous reviendra et vous en ferez ce que vous voudrez. L'argent sera déposé dans le coffre du bureau. Et plus vous restaurerez l'endroit... Plus l'affaire me rapportera. En effet. Vous découvrirez aussi qu'étendre nos activités dans d'autres quartiers rapportera des dividendes. Merci. Ah, c'est donc ça le côté commerce dont on me parlait. En fait, c'est le parrain, quoi. Récupérez vos revenus du café-théâtre. Allez. Attends, mais c'est vachement grand. Le pognon, le pognon. Bureau de l'intendant. Ok. M'asseoir les revenus. 20 sur 80. Ouais, il y a un côté comme le jeu le parrain. Est-ce que vous connaissez? C'est un jeu que j'ai fait aussi sur la chaîne. Où il fallait aller récupérer l'argent, tu vois, des commerces qu'on avait achetés et tout. Acheter et menacer, bien sûr, dans le parrain. Ok. Bah écoutez, on passe à la suite. Moi, je serais curieux de voir effectivement tous les à côté du jeu, tout le côté business et tout, mais... Alors, on va quand même se focus un petit peu, si possible, sur les missions. On va enchaîner. Alors, on va faire quelques emplettes d'abord, parce que j'ai plus au niveau des consommables. Les bombes, c'est bon. Les pétards, tiens, je vais en reprendre. Est-ce qu'on peut ajouter au panier et faire une commande? Non. Le mec qui se croit sur Amazon. Remède. Ouais, je vais en reprendre, on sait jamais. Ça peut servir. Mais on n'a pas beaucoup d'argent, hein. Pour l'instant, il faudrait que je fasse plein de choses de mon côté. Tiens, je prends plusieurs crochets. Ça peut être utile pour les portes ou autre, pour mieux s'en sortir en mission, on l'a vu. Lame fantôme, ça c'est vraiment super important. D'ailleurs, il me semble qu'on pouvait les améliorer, les lames fantômes. Mais on verra ça plus tard. Et les lames furie, j'en ai que deux. J'ai... Ah, quoi que, attendez, j'ai quand même 4 points de compétence. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? La portée cache d'assassin, non merci. Ça, ça m'intéresse pas trop. Discrétion. Déguisement, non, c'est un peu nul. En santé, est-ce qu'on peut prendre autre chose? Non, bah tu vois, pour l'instant, je vais économiser. Ouais, je pense que c'est mieux. Les équipements, je vais pas changer. Je changerai un petit peu pour le prochain épisode, je pense. Entre-temps, là, aujourd'hui, je pense que j'aurai un peu le temps d'y jouer au jeu. D'avancer le secondaire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de missions secondaires qui font forcément beaucoup progresser. Compte rendu au conseil. Moi, ça, logiquement, c'est pas trop dur. Vous avez triste mine? Cela fait des mois que je m'efforce de contrôler la confrérie, l'assemblée et le roi. Ensemble, ils ont tout au plus l'intelligence politique d'un conseil de villageois ignorants. Je pense que cela excuse mon manque de prestance. N'y voyez aucun manque de respect, Mentor, seulement de l'inquiétude. Ne pleure pas pour moi, Arnaud. Pleure pour la France. Mais oublions la politique. J'espère que tu as de meilleures nouvelles. Qu'en est-il des meurtriers de Delasserre? Le roi des mendiants est mort. Il avait ceci sur lui. Repose en paix. Tu devrais le garder. Il ne servira à personne s'il moisit au fond d'une crypte. Sois-en digne. Merci. J'essaierai. Et ta mission? Le roi des mendiants et Sivert n'étaient que les pions d'une partie bien plus vaste. Quelqu'un les a envoyés tuer Monsieur Delasserre. Les Templiers ne peuvent rien faire simplement. Que sais-tu au sujet de ce mystérieux joueur d'échecs? Ma seule piste est l'objet qui a servi à tuer Monsieur Delasserre. Une épingle fabriquée par un orfèvre du nom de Germain. Mais j'ignore encore quel rôle il joue. Ta voie est donc toute tracée. Trouve cet orfèvre. Découvre quel est son rôle. C'est vrai que visuellement, le jeu, il est très très sombre. Hein. Je suis surpris, je m'attendais pas à ça, honnêtement. J'avais vu quelques images, mais... Ah ouais. On doit aller dans cette direction. Ah, et vraiment, faut que je prenne le temps de tout synchroniser, parce que ça va être trop long. Alors, mission, l'orfèvre. Difficulté 3 sur 5, attention. François-Thomas Germain a fabriqué l'arme qui a tué Monsieur Delasserre. Trouvez-le et découvrez son rôle. Padam, 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 on arrive. Eh, on reconnaît bien, n'empêche. Allons-y, l'orfèvre. Prochaine mission. Les Halles, 31 mars 1791. Eh bien, voilà qui est pour le moins suspect. Une belle zone en plein jour. Déjà, on part sur un constat un peu compliqué. On peut se faire repérer facilement. Ça aurait été plus simple de nuit.
Du coup, porte crochetée 0 sur 4, ça tombe bien, j'ai appris la compétence. Brute rendue furieuse. Ah, tu veux dire qu'il faut leur mettre des fléchettes, tu sais qui les rend fous là? Ah non, ou alors faut les attaquer, faut les énerver. Ouais, je verrais plutôt ça comme ça. Alors observons. Ah ouais, il y en a beaucoup hein. Alors l'idée, ce serait peut-être de grimper sur le bâtiment directement sans s'embêter. D'aller crocheter bien sûr des portes. Mais si on doit rendre des brutes furieuses, ça veut dire qu'on doit les provoquer, non? C'est ça le truc. Alors déjà, on a accès au bâtiment facilement. Après la question c'est... Oui, bah écoutez, directement par là. Allez, tu sais quoi? Non, t'es pas sérieux. Mais non, t'es pas sérieux. J'allais dire, faut pas trop se poser de questions, mais bon, quand même. Ah, ils me voient? Non, ils peuvent pas me voir, c'est pas possible. Attends, je contourne. Mais s'ils me voient, je suis dégoûté. Attends, fléchette. Tu me vois plus. Allez, salut mec. Très bien. Ouais, je sais pas comment on va s'en sortir hein. Je vous le dis. Bon, on peut essayer d'y aller en mode énervé hein, au final. Il s'est évanoui dans l'air, bon sang. Ça peut le faire aussi. Ok, t'es mort. Ah zut, il y a une cloche d'alerte. J'ai été entendu ou pas? Apparemment c'est bon. Eh oui, parce que c'est vrai qu'il y a la cloche. Elle est où? Cette satanée cloche. Eh bien je ne sais pas, mais on va éviter de se faire opérer. Je vois qu'il y a des cachettes. Ah, je vois la cible. Germain, Germinus. Non! T'inquiète. Je gère. Amène-toi, petit. T'es mort. Non! Maintenant, je suis repéré. Ok. Je crois que j'ai énervé les brutes, les gars. Mais non! On s'est pas compris. Ouais, qu'est-ce que je dois crocheter sinon? Attaque, mon grand. Oh, ça par contre, je veux pas. Ouh. Ok, je dévie l'attaque. Aïe, aïe, ça fait mal. Voilà. Là, ils sont costauds, hein. Brute rendue furieuse. Ouais, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Mais pourquoi elle est là-bas alors que la cible est ici? Monsieur Germain, l'orfèvre? Dieu merci. Ils me retiennent depuis des mois. Je vous en prie, faites-moi sortir d'ici. D'abord, j'aimerais que vous me parliez de ceci. Cela attendra. Je vous dirai tout lorsque nous serons loin. Mais nous devons partir. Avant le retour des gardes. Bien, allons-y. Non! Ils surveillent l'entrée, c'est certain. Nous allons devoir descendre et traverser. Alors suivez-moi, et gardez le silence. Ouais, fais ce que je dis, pas ce que je fais, hein. Pour l'instant, je suis pas hyper silencieux, quoi. Ok, bon. Tuez les brutes. Ah! Les voilà, les brutes. Le premier là-bas, on pourrait se le faire gentiment comme ça. Voilà. En plus, ça les attire. Donc lui, il va aller voir là-bas si j'y suis. Les deux. C'est pas plus mal. Quelque chose se prépare. Voilà. Et voilà. Là, c'est bien. Yes. Je dispose de points non dépensés. Oui, je sais. Salut toi. Ça peut risquer ça, par contre, je vois pas les autres. Oulololo. Ok. Par contre, des portes crochetées. Ouais, j'avoue, je fais pas gaffe à ça. Ils sont combien? Oulala. Faut voir si on peut crocher des portes. Tiens, attends, je passe aux lames Fury. Parce qu'apparemment, faut les rendre fous. Allez. Aidant. Est-ce que c'est bien? Ouais, c'est ça, c'est bon. Nickel. Allez, attaque tes potes. Sois cool. Voilà. Ce serait bien qu'il y en ait un autre qui se montre là, par exemple. Oui! 2 sur 2. Attends, mais est-ce que c'est... Quoi? Mais... Ouh! Tu dois attaquer tes potes, normalement. C'est quoi, cette histoire?
Oh mais c'est nul, vas-y. Je voulais pas me faire repérer moi les gars. Par contre, il n'y a aucune fenêtre de contre avec lui. Tiens, attends, je me soigne. C'est fou ça. Bon bah maintenant qu'on est repéré, hein, de toute façon j'ai envie de te dire. Quel enfer. Allez, je termine le travail. Dans les escaliers. Voilà. Ne traînons pas. Super. Bien sûr. Ouais, pour les trucs à crocheter, par contre, je vois pas où est-ce que ça peut se trouver. Attends, y'a d'autres brutes là ? Attendez. Oui, oui, attends un peu. Oh non, j'ai plus de lame furie. Bon, bah tant pis. Ah, c'est le bazar. Hein. Ah, là, ça a crocheté. Ok. Et là, si t'as pas la compétence, bah t'es niqué quoi. Une sur quatre. Bon, espérons que la mission est encore longue. Ah, mais du coup, j'aurais dû garder des fléchettes. Mais il faut dire que j'en ai que deux aussi, hein. C'est rien, les gars. Les gars. Voilà. Petite double. Des familles. Oh, attention, il regarde par ici. Avancez. Voilà. Tout en finesse. Certainement. Ah, je suis terrifiant. Attends, et si on les fouille? Là, je pense à un truc, les gars, vous me dites en commentaire. Est-ce qu'il y a des chances en fouillant les mecs? Ne bougez pas. Ah mais oui, on peut récupérer les remèdes et tout. Ça se trouve, ils peuvent filer des munitions aussi. Non? Remèdes au complet. Ouais, il y a moyen peut-être. Il n'y a pas forcément que des remèdes à chaque fois, je pense. C'est ça l'idée. Alors, attends un peu. Ouais, là, faut pas s'engager comme ça. Hein. Il y en a un qui va se retourner, forcément, on est cuit, quoi. Oh merde, il se retourne. Ah bah, allez, c'est quoi, ça en fera un déjà en moins. Oh bah, zut alors. Oh là 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 là. Oh là, j'ai bien dévié. Hein. Oh non, mais lui, hein, je me soigne. Oh là là. Oh mais c'est pas fini, oui. Oh là là. Oh c'est dur. Ok, je me re-soigne. Attends, je sais plus où je suis. Ça y est. Tire-toi. Oh, je sais plus où je suis. Quand ils sont trop nombreux comme ça. Allez. Infernal. Oh là là. C'est un peu des réflexes qu'il faut là. On va avoir l'hyper instinct. Voilà, un de moins déjà. C'est bien. C'est bien que je fouille les corps peut-être pour récupérer des trucs. Et toi, hein. Voilà. J'ai pris le temps. C'est n'importe quoi. Putain. Oh. Allez, fouille un peu. Ouais, ils sont en train de s'exciter, hein. Les gars, venez voir papa. Déviation. Ok, j'ai pas le temps de tirer. Je me soigne. Dès que ça vise, je me rapproche de lui. Oh là, je suis trop fort. Sans déconner. Oui, bien esquivé avec la roulade. Personne ne peut me toucher maintenant. Je suis rodé. Oh, le coup de pied. Les gars. Hop là. Excellent. Alors là, franchement, on a géré. On a géré de fou. Mais c'est vrai qu'on n'est plus dans le thème assassin, là. Tablier, éventail, on récupère des sous en plus. Mais j'ai l'impression que pas de munitions. Eh, bourse, donc si, c'est possible, hein. S'ils donnent des bourses, normalement. Bombe fumigène, ouais, ouais. Poudre de riz, mais j'ai pas ce que je veux. À savoir, des lames, quoi. Parce que ça se fait rare. Allez. Bon, j'ai quand même pas fouillé tout le monde, hein. Oh, mais attendez, ils sont vachement loin, ils m'ont déjà repéré. T'es pas sérieux? Bon, bah, allez, de toute façon. Là on y est. Bah c'est ce que je fais, je viens crever en homme mon gars. Allez. Bah. Pourquoi tu l'as pas fini directement? J'ai pas compris là. Tiens, je me soigne. Allez toi.
Voilà, nickel. Ça, c'est fait. Waouh, c'était n'importe quoi. Ah, c'est bien moi, ça. Mais quoi? Des nouveaux? Donc, l'honneur. Les gars. Tu as manqué la dernière charrette pour l'autre. D'accord. T'es comme ça, toi. Oh, stylé, ça. Le flingue. Je t'en prie. Allons, laissons parler la raison. Relâchez l'orfèvre. Recule. Seigneur Dieu. Qu'ai-je fait? Ce qu'il fallait faire. Venez, il faut partir. Oui, bien sûr. Eh bien, c'était assez foufou. Suivre François Thomas Germain. Allez, Germinus. Quartier des Marais. C'est vrai qu'on est dans une zone avec une difficulté un peu plus élevée. Moi, je ferai les courses avant le prochain épisode, par contre. Parce qu'on est en rade très rapidement de munitions, c'est pas agréable. Merci, mon ami. Vous m'avez rendu un fier service aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous me rendre l'appareil. Oui, bien sûr. Puis-je? J'ai fabriqué la première il y a des années, une commande spéciale, la dénommée Lafrenière. Cela sortait de l'ordinaire. Je reconnais que ma curiosité a pris le dessus. Récemment, je me suis plongé dans le passé de Lafrenière, et alors, j'ai découvert des choses incroyables. C'est un Templier. C'est cela que vous avez découvert? Oui, je le crois. J'ignore ce que je dois en conclure. Mais j'ai manqué de prudence, et Lafrenière a eu vent de mes manigances. Depuis, il me séquestre dans ma boutique. Je fabrique ce qu'il veut, surtout des armes. Où puis-je le trouver? Eh bien, Lafrenière est un homme très difficile à débusquer. Il y a peu, je l'ai entendu parler de protéger les marchandises à la halle au blé. Tout cela semblait de mauvais augure. Si je peux me permettre, pourquoi vous intéressez-vous à lui? Il a tué quelqu'un qui m'était très cher. Je veux savoir pourquoi. Je vois. Je compatis à votre peine. Ils vont revenir vous chercher. Vous devriez rester discret. Oui, c'est une bonne idée. L'orfèvre, mémoire, terminé. Par contre, zéro défi réussi. Ça, c'est un peu dommage. J'aimerais bien débloquer le prochain assassinat, ce serait cool. La halle au blé. Explorer la halle au blé, découvrir ce que prépare Lafrenière. Ouais, c'est Lafrenière à la prochaine cible. C'est sûr. À nous deux, Lafrenière. Où est-ce que tu te caches? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir, on va explorer. Alors, au final, tu vois, j'ai l'impression qu'on a une structure un petit peu vraiment à l'ancienne. Pour le coup, j'ai l'impression qu'on est sur... comme dans les premiers, vraiment, on enchaîne les assassinats. Finalement, sur la forme, c'est pareil. Hein. Un objet à collecter, ok. Meurtre au pistolet. Ah oui, d'accord, tu veux que je fasse du bruit, quoi. Très bien. Alors, j'ai l'impression que le chemin est tout tracé. Ouais, on va rentrer dans la zone par ici. Nice. Tiens, petite vision d'aigle. Rapide. Oula! Ah oui! Il y a du monde! Alors, est-ce qu'on peut faire un double? Depuis une hauteur. Eh ben non! Oh, c'est con! Tiens, directement. Et d'un! Je rappelle, faut en faire 3 au pistolet. Pense à recharger, hein. Ah, mais faut les tuer, par contre, bah oui, bien sûr. Genre maintenant. Voilà. 2 sur 3, on va les fatiguer un petit peu au niveau de la vie. Alors, dites-moi, est-ce que c'est normal que il y ait beaucoup d'action dans mon let's play? Est-ce que c'est parce que je joue très mal ou alors c'est normal en fait? Par contre les gars, je vous en veux pas mais... Calmez-vous bien. Non mais là on va s'écarter, il y a vraiment trop de monde finalement. Hein. Ouais. Là ils sont trop nombreux, je vais remonter. Tu crois qu'ils me voient là-haut? Ouais, ils vont me voir, donc je reste un peu planqué, ils vont se calmer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai plus de lames, ouais, faudrait que j'en fasse le plein. J'ai des pétards, éventuellement, pour les amener ailleurs, mais bon. Pas tellement utile. Il me reste une munition. Ouais.
Faut vraiment que je fatigue quelqu'un. Allez, traverse, va. Voilà. On va y aller doucement. Je peux faire une double à ton avis? Eh non, ils sont trop éloignés. Mais c'est rien du tout, t'inquiète. Ce n'est que ton imagination. Oh, mais pas de chance. Voilà, 3 sur 3. Parfait. Maintenant, on peut y aller. C'est le mec. Ouais, je me demande vraiment si... En fait, c'est pas tout le monde pareil. En fait, un jeu qui est très action. Après, il doit y avoir... Oh non, la cloche! Ah bah non! Ça, c'est pas cool. Ah oui, d'accord. Je me soigne. Il va y avoir du renfort en plus, là. Oh là là! Ça va être un enfer. Arrêtez! Ah bah d'accord, il m'a transpercé. Putain, c'est violent! On recommence. T'as rien vu, gars. Voilà. Tranquille. Bon, les pistolets, bon, on va les envoyer si possible. Hein. Par contre, c'est vrai que j'ai plus de lame ou presque. Ça, c'est que c'est compliqué. Mec, salut. On essaye d'enchaîner. Pour l'instant, ça roule. C'est vraiment pas simple. Hein. Là, j'ai peur qu'on me remarque. Ça a l'air d'aller. Il te reste une fléchette ou pas? Même pas. Terrible. À la limite, on pourrait les amener ailleurs. Genre là, si j'envoie ça, admettons là-bas. Va voir là-bas si j'y suis. S'il te plaît. Voilà. Là, je m'occupe de lui. L'autre est attiré là-bas. Oh. Mec, viens par ici, si tu es un homme. On a la cloche. Ah, c'est pas simple, parce que c'est vrai, sans fléchette et tout, dès que t'as plus d'équipement, c'est un bordel monstre. C'est bon, il a bougé. Oh lolololol. C'est infernal. Ok, la cloche. Faut s'en occuper en premier. Ah, y'a un mec aussi là-haut. Là. De deux. C'est pas trop mal. Pas de meurtre au pistolet vu qu'on va être discret. Attends, je vais me le faire le mec là-haut. Nickel. Petit, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il ne s'est rien passé, mon gars. T'as rien le temps de voir. Mais c'est quoi ce truc? Je sais pas ce qu'on peut faire avec ça. Tiens. Nickel. Ah, tu vois quand tu veux, tu peux être discret. Mais ce truc là, je vois pas ce qu'on peut faire avec. Doit préparer une action d'envergure. J'ai relâché un petit peu ma prudence. Je vous l'accorde. Bon là, il y aura pas les... Ah tiens. Ce n'est pas normal, guillemets. En effet, c'était pas normal, mais c'est la vie, mon gars. T'es mort. J'ai pourtant bien entendu. Non, tu es sûr comme un pot. Alors pareil, là l'idée ce serait de les attirer un peu ailleurs. Eh mec. Oh merde, t'as jamais regardé les gars. Veuillez m'excuser, bon tant pis. Un peu de fight. J'ai essayé hein, j'essaye d'y aller doucement. Et en effet c'est déjà mieux. C'est beaucoup mieux. Mais ça reste pas évident mine de rien en cette zone. Parce qu'ils sont très nombreux. Voilà. Nickel. Bon déjà quand il n'y a plus la cloche donc plus de renfort c'est bien. La caméra est pas assez large, on voit pas d'où ils viennent. Ok. Voilà pour le plaisir, hein, je vous le dis, ça me fait du bien. Meurtre par pistolet du coup ça je les ai pas. Donc faut explorer cette zone. Ah mais oui il y avait un truc du coup avec... avec ça donc ça a rien à voir. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve du coup? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. J'ai le logo ici, la zone. Peut-être qu'il faut monter? On va essayer pour voir.
Ok, faut examiner ça. Michel Drucker. Quoi qu'il prépare, il a prévu grand. Et maintenant, je sais où te trouver, grand maître. Il me semble bien dangereux de laisser traîner ses armes. Nom de Dieu ! Les réserves de poudre, elles vont sauter ! Mais bien sûr, pourquoi rien n'est jamais simple ? C'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie. Allez, on fuit, hein. Ouh là là. À travers. Wouh. Oui. Attends. On passe par là ou... Oui, je pense que c'est ça. Vite, avant que ça s'effondre complètement. Ensuite, je vais où? J'en sais rien. Par là. Suis ton instinct! Ah, y'a quand même un peu de mise en scène, c'est bien. J'aurais peut-être dû y réfléchir davantage. C'est pas fou. Oula. Mais la réflexion, c'est pas tellement mon fort. Faut le remarquer depuis le début du jeu, hein. Allez, monte. Faut que je passe encore deux fois par-dessus ou par-dessous des objets. Allez. Bon, c'est chaud. Mieux vaut aller vers le haut. Oui. Putain, qu'est-ce que je suis lent. Et... Dépêche-toi. Heureusement, le jeu est pas trop méchant, parce que... Vite. Dépêche-toi. Sinon, je vais finir comme Terminator, là. Je pousse vers le haut. Adieu. Attends. Je pousse vers le haut, bien sûr, pour le petit pouce bleu. oui. Je vais où maintenant? D'accord. Bah vas-y. Ok. Mais, putain, des fois, il veut pas y aller. Accroche-toi. Joli. Cache-toi au cœur de la foule. Bon. J'ai failli finir comme du bacon. Là, l'oblé, mémoire terminée. Ah oui, j'ai oublié les meurtres au pistolet. Bah, j'ai voulu tellement me la jouer discret. C'est un sacré four. Eh bien, la tour Médicis. Attends, il y a un point de synchro? Mais oui. Oh les gars, c'est un point de synchro. Nickel. Allez, on en profite. Dernier point de synchro de la journée. Et on se retrouvera la prochaine fois pour, je pense, le prochain crime. Et on connaît notre cible. Magnifique. Ah, je me suis régalé. Encore une fois, par contre, je suis étonné de voir à quel point je joue action. Hein. Je pensais que j'arriverais davantage à être discret, mais c'est pas simple. Mais vous me connaissez, bah nature est plus effectivement à frapper, quoi. À frapper fort. Prochaine mission, le prophète, le grand maître de l'ordre à Paris, chrétien, Lafrenière, rassemble ses troupes au cimetière des innocents, tuez-le et empêchez l'attaque. Ce sera, les amis, la prochaine mission et notre prochaine cible. Merci encore à tous, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, ça vous a plu. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode, demain soir évidemment. À très très vite, ciao ciao.